Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tu as fait un cauchemar? Oui. Ça va aller? Oui, ça va maintenant. Oh, c'était dur. On va retourner en voiture, vérifier le pipeline. Et si on s'offrait un jour de congé? C'est bientôt l'hiver et on va rester presque 6 mois coincés tous les jours à la maison. T'as une mauvaise influence sur moi. C'est ça qui t'avait attiré vers moi. Là aussi, Eric, regarde ça. Ouais, ça fuit sérieusement. J'espère que ce foutu tuyau est toujours sous garantie. Hey, va chercher le fusil. Saloperie de trappeur. Et donc, ça agit vite ce truc. Tout doux, là, tout doux, bouge pas. Bien sage. Regarde, c'est un de ceux qu'on a marqué le mois dernier. Tu as tout ce qu'il faut? Ouais, je crois qu'on devrait l'emmener. Non, seulement s'il a une patte cassée, autrement, mieux vaut le laisser ici. Tu peux m'aider pour avoir ce truc? Oui. Tu y es? Ouais. Seulement amoché, mais c'est pas cassé. Calme, mon beau, là, c'est fini. Vite, faut pas traîner, il va bientôt se réveiller. C'était beau. Ces salauds de trappeurs doivent encore être dans le coin. J'ai vu des traces de pneus quand on est arrivé. Ils sont sûrement au bord de la rivière. Oui, je les vois. Je rappelle que c'est mon travail d'empêcher ces idiots de venir ici. Vous avez commis 2 infractions. Pénétrer dans une zone interdite et vous livrer au braconnage. Vous êtes sûr? Oui. Je suis chargé de la protection de la nature sur le territoire de la compagnie. Fais gaffe, Ben. La situation est simple. J'ai votre numéro d'immatriculation et vous braconnez. Dis donc, Ben. Si on lui faisait fermer sa gueule. Thank you.
maintenant, je vous laisse partir. Mais ne revenez plus jamais sur ces terres. C'est compris ? T'embauche comme assistante si tu veux. Voir toutes ces foutues terres et de pas pouvoir y aller, ça me donne envie de gerber. J'ai pas de te plaindre qui changera quelque chose. Quand je pense aux milliards d'hectares qu'il y a dans cet état et qu'on trouve moyen de tomber sur ces pingouins. Et t'as qu'à faire comme si tu les voyais pas. Quoi te faire foutre ? T'as vu ça ? Qu'est-ce que c'est encore que ces clous ? Ils sont en train de tirer les poissons. C'est pas vrai. Comment ça va, les gars ? Ça va ? Vous resterez pas un peu de café ? Si, servez-vous. La chasse a été bonne, apparemment. Qui est votre guide ? On est venu sans guide. Vous êtes des sacrés vénards. Ouais, tu l'as dit. Ils ont pas le droit de chasser par ici. Ah, mon pote a raison. Vous devez avoir un guide assermenté avec vous pour traîner dans le coin. On a payé, on a tous les permis. Je vous conseille gentiment de foutre le camp d'ici. Décidément, aujourd'hui, tout le monde veut me dire ce que je dois faire. D'après ce que disent les lois tribales, les chasseurs qui traversent le territoire d'une autre tribu peuvent prélever une part du gibier. Ils gardent les peaux, mais ils leur laissent la viande. Vous voulez la viande, les mecs ? Tu sais, Ben, on devrait descendre ces imbéciles et les entasser dans leur jolie petite bagnole. Qu'est-ce que t'en dis ? On va attirer les ours maintenant. Mettez-le dans votre voiture. Tirons-nous. Non, on va pas laisser les témoins derrière nous, Ben. Légitime défense, c'est tout ce que c'était. D'accord, mais tu crois que ces connards vont se contenter de cette version ? Ça nous donnera toujours une longueur d'avance. Qu'est-ce que tu regardes ? Hein ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tu veux ma photo ? C'est ça ? Je vous conseille d'oublier nos têtes, parce que la prochaine fois, ils pourront pas m'empêcher de vous tuer, et je vous trancherai la gorge. T'as saisi ? Sur ces terres, on a gardé nos traditions. Ah ! Espèce d'enfoiré. Au moins, il a attendu qu'il soit crevé. Reculez. Allez, les gars, foutons le camp. Merde, mais c'est pas vrai. Bande de salauds! Hé hey Sam, ça t'intéresse pas d'avoir des entrées pour la mine ? Elles sont à un prix intéressant. Deux pour le prix d'une. Mais qu'est-ce qui te prend d'essayer de me refiler des entrées pour visiter cette foutue mine qui est même pas à toi ? Salut tout le monde. Salut Ben. Comment va Sam ? Ça a l'air drôlement calme aujourd'hui. Ouais, c'est tranquille. Et je vois bien que ça le reste. On fait que penser, c'est tout. Tant mieux. Kenai, jette un coup d'œil là-dessus. Est-ce que tu peux la réparer ? Attends, j'ai le talon. J'ai pensé à le récupérer.
Oh, ça va pas être facile. $25. Toi, au moins, t'as appris à adorer le dieu des blancs, ça a pas traîné. C'est ça, l'Amérique. Et un paquet de lames de rasoir. Bonjour, Kenan. Bonjour, Léo. J'espère que vous allez voter pour l'ami du peuple que je suis. Ah, c'est un peu dangereux, ça. Il a bien fait, Léo. Si vos affiches tombent par terre, je vous coffre pour des pots d'ordures sur le papier. Ne m'en venez pas, Sam. Ce n'est pas pour mon bien que je me présente. Je me présente pour le bien de l'Alaska, pour celui de l'Amérique. Je me présente pour mettre en œuvre une politique responsable en matière d'énergie. Vous savez combien on paye le litre d'essence. Laissez un peu tomber, Léo. D'accord, d'accord, Sam, je vais me taire. N'oubliez pas le jour des élections. L'ami du peuple est là. L'ami du peuple et mon cul, c'est du poulet. À bientôt, Kenai. Salut. Une compagnie pétrolière qui fait de la politique, ça n'a pas plus de sens qu'un rat qui viendrait sauter une tortue de mer. On t'invite à partager notre passe, hein? Non, vaut mieux que je reste à mon poste. Vous savez comment sont les gens, même quand ils ne picolent pas, dès qu'ils sentent l'hiver venir, ils ne tiennent plus en place. T'avais raison, Ben, le mauvais temps arrive. Compte tenu de la situation, on n'allait pas les prendre avec nous, quand même. Ouais, évidemment. Je les ai pas tous tués, heureusement. Je t'emmerde, Mitchell, va te faire voir. C'est moi qui serais passé si Ben n'avait pas eu de bon réflexe. Vous devriez décamper. Je vais attendre mon frère ici. M'attendrai à Cash. Branché sur Radio KFR, la radio du Grand Nord. N'oubliez pas que les nuits deviennent de plus en plus longues et tâchez d'avoir des horaires réguliers pour dormir. Sinon, vous risquez d'être victime de ce que les médecins appellent des troubles liés au changement de saison. Et c'est ce que nous appelons le blues du Grand Nord. Mais heureusement, il y aura toujours de la musique sur KFAR. Comment as-tu fait pour mettre ta voiture dans un tel état, hein? C'est parce qu'il a joué les héros en pourchassant des braconniers. Il va devenir un vrai cow-boy à la fin. Ouais, je fais ce qu'il faut pour m'intégrer. Bonjour, mon rayon de soleil. Bonjour, Sam. Comment ça va? Ça va. Et toi? Écoute, le jour où il a cru qu'il était digne de toi, Mais peut-être que je ne suis pas digne de lui, moi. Et dans ce cas, sa propre mère n'est pas digne de lui non plus. T'as encore du pain sur la planche si tu veux être à la hauteur. Eh oh, je suis pas si mal, en fait. Je suis charmant, présentable, et je vis dans un manoir. En forme de tortue. C'est vrai, on habite sur le dos d'une tortue. C'est quelqu'un, celle-là. Tu n'as pas encore déjeuné? Non, pas encore. Mais attends, je te jure que je suis pas venu pour me faire inviter à déjeuner, ça je te jure que c'était pas du tout. Oh, je crois que si. Alors, qu'est-ce que tu as fait? 503-503, caravane polaire, répondez. 503-503, caravane polaire, répondez, terminé. Ne quittez pas. 503, j'écoute, ici Eric Desmond, caravane polaire, à vous. Monsieur Desmond, ici Arthur Neff. Monsieur Miller m'a demandé de vous appeler. Il y a une colonne de fumée noire et blanche venant des terres de la compagnie, au nord-nord-ouest de la ville. Probablement un SOS. Oui, compris, Arthur. Je vais y aller. Pour demander du secours, ça peut arriver, c'est vrai. On a souvent vu des trucs bizarres ici. Un feu, ils sont morts de froid dans leur voiture. Et on n'est même pas encore en hiver en plus. Ah, ils ont probablement fait l'erreur de s'endormir. Mais je me demande pourquoi ils sont restés là quand la tempête est arrivée. C'est curieux,
regarde ça. Leur bagnole n'était pas en état de marche. Ah, Eric! Ah! Ça va, Anne-Marie? Oui. Bien arrangé. Bon Dieu, je suis trop vieux pour voir ce genre de spectacle. Qui a pu faire ça, à votre avis? Il doit être le fils de pute qui est passé ici il n'y a pas longtemps. Il manque un talon à sa botte, c'est clair. C'est Ben Corbett qui l'a tué. Sale boulot, là. Il a laissé des empreintes de vraies signatures. C'est une sale affaire pour Ben Corbett. Quand j'y pense, il est gonflé, ce mec. J'ai laissé à Devil's Cauldron et il avait pas l'air de s'en faire. Dans ce cas, il faut aller l'arrêter. Sauf que ce sera pas facile, il s'était sympa à attraper. En ville, vous trouverez bien les gars pour vous donner un coup de main. Il y en a pas un qui lèvera le petit doigt pour m'aider. Vous savez bien comment ils sont. Corbett te connaît pas, toi. Vous êtes Corbett? Ouais. Bah, si, c'est mon bureau, tu vois. Kenna, il m'a demandé de vous donner ça. Je ne m'attendais pas vraiment à vous voir. Non, qu'est-ce que ça peut faire? Ça arrive de partir de mon métier. C'est quoi ton nom? Eric Desmond. Ah, t'es nouveau dans le pays? Je suis là depuis 6 mois. Tu travailles pour la compagnie pétrolière? Oui, je m'occupe de tous les problèmes écologiques sur son territoire. L'écologie? La plupart des gens utilisent ce terme sans connaître son véritable sens. Qui mange qui? Monsieur Desmond, pourquoi tu tournes autour du pot? Dis-moi carrément ce que tu as à me dire. Tu ne descendrais pas quelqu'un, toi? Moi, si. Ben, tout ça pour avoir tué quelques castors sur les terres de la compagnie. J'ai trouvé tes empreintes au campement des chasseurs, tu te rappelles? J'ai l'impression que t'as pas de peau, parce que les deux mecs que t'as pas zigouillés, ils sont morts de froid. Ça va, je le surveille maintenant, Eric. Tu peux y aller. Vous êtes sûr? Ouais. Dis donc, Sam. Est-ce que tu voudrais bien payer ici? J'ai du pognon dans mon sac. Qu'est-ce que tu caches là-dessous? Monsieur Desmond, j'ai capté la fréquence des services de sécurité. Voici le programme. Chasse-neige, générateur et plateau télé. Il nous reste Canal Playboy, heureusement. Vous voulez quelque chose? Non, merci. Où est Meyerly? Il est chez Kenai. N'oubliez pas, si vous voulez quoi que ce soit, venez voir Arthur Neff. Ça, c'était de la légitime défense s'il avait sorti son flingue. Ouais, s'il avait que ça encore, c'est vrai. Mais vous avez scalpé ce type. Il fait crever les autres. Ça fait sacrément beaucoup, ben. Est-ce que tout ce qui marche, nage, vole ou rampe n'est que du gibier pour toi, c'est ça? Je serai sorti d'ici avant que l'avion arrive et tu le sais. Pouvez-vous vérifier si j'ai bien mis assez de thème sur cette lettre? Ah, Eric, j'ai lu votre rapport sur cette fuite. Bon travail. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Fairbanks? Non, je ne peux pas leur communiquer pour l'instant. Mais on pourrait avoir une catastrophe. Eric, je suis de votre côté. C'est moi qui ai dit à la compagnie d'engager un écologiste, je vous le rappelle. Dans ce cas, laissez-moi faire mon job. Non, ça risque de déclencher la panique. Ce pipeline est la clé de l'approvisionnement de toute l'Amérique. On croirait un de vos prospectus? Laissons passer les élections et puis quelques jours n'y changeront pas grand-chose. Bien sûr que si, la fuite ne s'arrêtera pas toute seule. Chaque jour qui passe aggrave la situation. Oui, vous avez raison. Je m'en occupe. Merci.
cherche des potes trappeurs. Ben Corbett, Mitchell, le même. Vous les avez vus? Ils étaient là hier. Ils sont allés à Cache. Ils avaient très soif, mais on n'a pas le droit à l'alcool ici. Et merde. Combien vous en offrez? Je vais les prendre au l'air. Salut, Bob. Ton frangin et ses potes ont laissé ces pièges pour qu'on les vende pour eux. Ils sont partis. À Cache. Ouais, je sais. Ben m'a jamais dit qu'il voulait vendre son matos. Non, c'est ce qu'il m'a dit à moi. Arrête-toi, Bob. Bob, arrête-toi, je dis. Je vais tirer. Espèce d'imbécile cupide, t'es qu'un fou, tu connard de merde. On va tous les avoir sur le dos maintenant. Salut. Salut. Qu'est-ce que c'est? Des images de la mine. Je suis allée pour tourner quelques plans pour mon show. T'es folle, t'aurais pu te casser le cou. J'ai le pied sûr, moi, tu sais. Qu'est-ce qui se passe? Toi? Regarde. Ça fait émetteur. Ah oui, c'est net. Je dois vérifier la batterie. Vas-y, moi j'arrête, j'en ai marre. T'as fini? Ouais. L'image d'un couple heureux. Je suis bien, moi, ici. Mais tu préférerais être à Los Angeles? Oui, c'est vrai que ces temps-ci, j'y ai souvent pensé. J'ai tant passé 2 mois d'obscurité avec impatience. On dit que ça peut rendre les gens fous. Oui, enfin, on verra bien. On a des tas de jouets ici pour s'occuper. Oui, et moi, je vais m'occuper de toi. T'as intérêt. Si tu veux, on fera des vidéos familiales. Je suis un peu dans le pétrin. Si tu veux bien me prêter ton avion, j'emmènerai cet individu à Fairbanks avant que quelqu'un d'autre y laisse sa peau. Il n'y avait pas un hélicoptère de prévu? Ah oui, mais il ne peut pas venir avant lundi. J'ai envie de passer la nuit tranquille, mais le frère de Ben est venu faire du grabuge en ville. Je vous laisse volontiers mon avion, vous connaissez les Cessna? Piloter, c'est un peu comme tirer un coup en réalité. Fondamentalement, c'est vrai, c'est toujours le même mouvement, non? Non. Excuse-moi. Mais c'est vrai, sans blague, t'as déjà du temps à rendre compte. Je préférerais marcher si ça vous dérange pas. On t'a rien demandé, toi, alors la ferme. Bon, on partira aux premières lueurs du jour.
qui, je veux seulement les clés. Bouge pas! Bouge pas! Sam, est-ce que ça va? Sam? 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 Désolé de vous avoir... de vous avoir mêlé à tout ça. Sam. Sam. Je sais qu'il a une fille dans l'Oregon. Si tu veux du pognon, j'en ai plein dans mon barda, à la prison. Je vais appeler les flics. T'avais tout prévu, on dirait, hein? Ah ouais! Ah oh, ouais! Continue! Tu vas la fermer? Hein? Salut, Bob! Tu sais où il est, Ben? Avec Sam Wilder, il a décidé de l'emmener à Fairbanks. Mais merde! Il faudra qu'il trouve un avion d'abord. Celui qui est le plus près d'ici se trouve à Cache. Il y a aussi ce vieux coco qu'on a vu près de Marrowd. Il appartient à la compagnie pétrolière. Non, c'est trop loin. Dans ce cas, si t'as une meilleure idée. Tu vas arrêter de te tortiller. Surveille-le. Je reviens tout de suite. Combien de temps que vous êtes ici? C'est originaire de l'Alaska? Mon ex-femme avait des yeux comme les vôtres. Nous sommes rencontrés en 66. C'est en hiver, au cours d'une de ces nuits sans fin, qu'elle est apparue à Coolfoot. Personne ne la connaissait. Elle a marché droit vers le bar. Elle annonçait qu'elle se mettait aux enchères et qu'il épouserait l'homme qui ferait la meilleure offre. Vous voulez voir son portrait? Moi, pour l'avoir, j'ai donné $8,000. Mais évidemment, ça n'a pas marché entre nous. À la fin de l'hiver, j'étais remonté dans le nord poser des pièges. Elle vivait seule dans un coin isolé. Elle est allée au marché à Cache, en scooter des neiges, pour acheter un peu de viande. Rentrant à la cabane, elle a été subitement attaquée par un ours. Elle aurait pu être sauvée si on l'avait soignée à temps. C'est bien triste. Ouais. Et vous, comment avez-vous rencontré votre homme de science? On s'est rencontrés un jour à Los Angeles. Je travaillais dans la mode à l'époque. Une histoire vraiment simple. Il avait très envie de quitter la ville. Je lui avais parlé de l'Alaska, ça lui avait plu et je suis là maintenant. Et vous en êtes amoureuse? Oui. Surtout ne dis à personne ce qui s'est passé. Les autres doivent le rechercher. Attends, s'il te plaît. Pourquoi tu ne le reconduis pas à Devil's Cauldron? Ce n'est pas à toi de décider ce qu'il faut faire. Il le libérerait en 10 minutes. On est des témoins tous les deux. Notre seule chance, c'est de faire en sorte qu'il soit bouclé. Sinon, on ne sera plus jamais en sécurité nulle part. C'est peut-être mieux si nous, on s'en va. On n'a qu'à prendre la voiture et filer d'ici en vitesse. C'est juste un vol de 3 heures. Je serai rentré pour le dîner.
arrête la bagnole. Quoi? Qui c'est? C'est le type de la compagnie pétrolière. Ouais, ouais. Et c'est ce type-là qui a un avion? Ouais. Oh, le bâtard, l'enfoiré! Arrivé 9h30, terminé. Tu pilotes? J'étais obligé d'avoir un brevet pour ce job. Je l'ai passé en 3 semaines. Tu te moques de moi? Non. C'est intéressant, ça. Il y a plein de sang là-bas. C'est une meute de loups qui a bouffé un élan. Magnifiques animaux, les loups. Qu'est-ce que t'en dis? Et la plupart des gens en ont peur. Mais pas vous, je suppose. Ah, j'ai cassé la croûte, pissé et dormi sur leur territoire. Je ne possède rien du tout. Je ne prends que le strict nécessaire. Voilà les dernières terres complètement sauvages. Je parie que tu n'y as jamais mis les pieds. Il suffit d'un soupir pour déclencher une avalanche. C'est si calme que tu n'entends que ton cœur qui bat. T'as déjà entendu ça? Non. Bon, je crois que c'est le moment. Ah, c'est vous êtes dingue, vous avez arrêté le moteur! Vous avez pété la clé! Et qu'est-ce que vous cherchez à faire? Bonne chance! On va s'écraser! Quelle connerie! Une fois que tu veux te tuer, fais-le sans moi. Eh bien, on est vivant et on est sur mon territoire. Ce territoire n'appartient à personne. T'arriveras jamais à sortir de ces montagnes sans moi.
Et sois raisonnable. Chier. Retire-moi ces menottes, maintenant qu'il faut qu'on fasse équipe. Ah oui, tu voudrais pas porter le revolver aussi, hein? Il commence à devenir lourd. Ah, je veux bien, donne-le-moi. Oh, ferme. T'es qu'un connard de première. Tu veux savoir l'heure à présent? On doit être à environ 40 000 au sud de Devil's Cauldron. Le nord-est est de ce côté. Vas-y, je te suis. Non, toi tu vas devant. Allez, avance. Bon, d'accord. Je suis désolé que t'aies perdu ton avion. Ce soir pour faire du feu sans boire. Bienvenue dans le monde sauvage. D'être un bon coin pour creuser un abri. Hein? Tu vas le creuser. Non, je te regarde. Cauchemar. Léo, j'ai besoin d'un coup de main. Je vous entends très mal.
Cette foutue radio marche mal. Je disais que j'avais besoin d'aide. Eric devait rentrer hier soir. Où est-il allé? Il a pris l'avion pour aller à Fairbanks. Ça, c'est malin. Je lui avais bien dit, surtout de ne rien faire. Écoutez-moi. Je suis venu au hangar pour le chercher et j'ai trouvé sa voiture criblée de balles. Oh, mon Dieu. C'est sûrement des vandales qui ont fait ça. Non, rentrez chez vous. J'appelle Fairbanks. D'accord. Je passerai vous voir dès que je le pourrai. Non, c'est pas la peine. Si Eric rentre, il faut que vous soyez là pour l'aider. Je vais passer dès que je saurai quelque chose. D'accord. Aujourd'hui. Non, c'est vrai. J'ai passé les meilleurs moments dans ma vie. Ça va être plutôt périlleux avec ces trucs-là. Hein? Ouais. Et bien, dans ce cas, bonne chance. Il va te faire foutre. Ouais, touche-t'y. Et là, reviens. Il était génial ce raccourci, non? Oh putain! Je me suis fait mal à la cheville. Hein? C'était une belle connerie d'embaucher ce jeune imbécile. Ici la tour de contrôle de Fairbanks. J'écoute. Je vous rappelle au sujet du Cessna, novembre 3, 2, 1, Zulu X, qui devait atterrir hier soir. Aucune nouvelle. Le pilote nous a transmis son plan de vol, mais on ne l'a pas encore vu atterrir. Avez-vous des informations? Nous allons déclencher l'alerte. À vous. J'aimerais discuter avec votre chef. À vous. Arthur, laissez-moi seul un instant. D'accord. Il est. Monsieur Stevenson, j'écoute. Monsieur Stevenson, je crois que je vous dois des excuses. Je suis Eric Desmond, à vous. Desmond, celui du Cessna? Oui, excusez-moi, j'ai annulé ce vol pour Fairbanks. La radio m'a lâché. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu vous joindre, à vous. On allait envoyer des avions à votre recherche, le temps va se gâter. Non, ce serait inutile, tout va bien. Et excusez-moi, je suis vraiment désolé. Chance. Ça va ta cheville? Ouais, ça va. Est-ce que t'as du pognon? Pourquoi? J'arrive toujours pas à savoir si t'es un mec vraiment courageux ou un imbécile. Les grosses coupures brûlent beaucoup mieux que les petites. Tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi, me fourrer dans mon lit avec Anne-Marie et ne plus en sortir jusqu'au mois de juin. Et je te dis seulement que c'est comme ça que je ferai. Fais chier, Mitchell. Non, c'est toi qui fais chier, le mec. Raconte n'importe quoi, mon vieux, des conneries. Avec toi, c'est toujours pareil, t'as des problèmes d'amour propre, en fait. La ferme. Ah, on est mieux que ce soit toi qui la ferme.
Ils savent rien de notre avion à Fairbanks. Il n'y est pas allé. Non, ne le cuis pas. Les ours peuvent le sentir de très loin. Tu peux le manger cru quand c'est frais. Je me demande où Meyerling t'a déniché. Tu connais Meyerling? L'ami du peuple, tu veux dire? Il embrasserait ton cul pour avoir un vote de plus. J'étais bien vu de t'engager. C'était chouette sur le papier. Je fais mon boulot, lâche-moi la grappe. Des réfugiés venus de la ville. C'est bien dommage que t'aies attiré cette fille avec toi. Tu crois qu'elle aimerait apprendre à faire des ragoûts de souris? Je peux te donner $5,000. Prends-les et retourne là-bas d'où tu viens. Ne m'insulte pas, donne-moi ça. Et on sait pourquoi les gens viennent en Alaska. L'aventure, la solitude, la glace. Il finira un jour par les engloutir pour de bon. Exception faite de celui qui ne se sera jamais arrêté de courir. Quand celui-là aura atteint le bout du monde, il verra que ça vaut plus le coup de courir. C'est ce qu'il faudra que tu comprennes, toi aussi. Tu crois ça? Ils peuvent parfois avoir de la chance. Mais en général, ils finissent par devenir cinglés. Ou par mourir. Cabane à 20 000 environ vers l'ouest. Ah ouais? Dommage qu'on aille vers le nord. Là-bas j'ai du fric. Je peux doubler ma mise. $10,000. Sois pas bête. Prends-les. Non, ça m'intéresse pas. D'accord. Arrête! Pas mal, je voulais juste voir ce que tu ferais. Vaut mieux que j'enlève mes fringues. Tu veux pas nous ralentir? Faut qu'on avance. Allez, t'inquiète pas, je serai mort dans une heure. Toi, je te sauverai ta peau. Il faut pas que tu t'endormes. La température de ton corps doit pas baisser. Dis, tu m'entends? Laisse-moi, ça va. Non, ça va pas du tout, mon vieux, mais réagis. Attends. Ces pierres vont te réchauffer. Ça va te faire du bien, j'en suis sûr, tu vois. Hé, Ben, regarde-moi, mais regarde-moi. Ouais. Allez, combien tu veux, toi? Combien t'en vois, hein? Il est complètement gelé. Hé, Ben, ne te laisse pas aller. Tu sens pas que t'as froid, hein? C'est le printemps qui revient. Non, reste réveillé, surtout t'endors pas. Mais merde. Plus que ça. Allez! T'endors pas! Reste avec moi! Allez! Reste réveillé, s'il te plaît! Tu vas pas te laisser crever comme ça! Faut réagir! Allez! Allez! Ça va mieux? Oui. Tu vas pas croire que je suis en train de te draguer!
Enfin, c'est pas trop tôt. Je veux bien travailler pour la compagnie pétrolière, moi. Ils ont l'air d'avoir des campeurs en vitesse. Quelque chose? Oui, regarde ça. Merde, c'est le vieux Sam. Ça devient bizarre, cette histoire. À mon avis, Ben s'est fait la malle. Oui, il est sûrement allé à Cash. C'est la ville la plus proche où il n'y a pas de flics. C'est mon émetteur. Quoi? Mon sac. Où est passé mon sac? Tu as laissé toutes tes affaires chez Wilder? Ah ouais. Comment tu te sens? Ça va bien, j'ai faim. Va me chercher à manger. Vous voyez les Indiens qui mangeaient ses racines quand j'étais gamin à Nome? Hein? Si tu viens de Nome, comment ça se fait que t'es pas chasseur de baleines? Dans ma famille, tous les hommes étaient trappeurs aussi loin que je m'en souvienne. On envoyait les fourrures chez Sears. 8 dollars le sconce, 3 dollars le rat musqué. C'était vraiment le bon temps. Mais ça ne te suffit plus de tuer des animaux sauvages, alors tu cherches des coups plus rentables, c'est ça, hein? Non, mais pour qui tu te prends? C'est pas toi qui viens d'une ville pourrie qui va m'apprendre à vivre. Oui, tout est pourri, et c'est pour ça que je me suis tiré. On a encore le temps d'empêcher que ce soit pareil. Mais arrête de me bassiner avec ton environnement. Tu connais rien du tout. C'est moi, l'environnement. Tu vis comme un animal. T'es un sauvage qui s'accroche à ses vieilles coutumes. T'es pas d'accord? Très bien.
dis-moi ce que je dois faire. Arrêter de chasser et téléphoner pour commander une salade, hein? C'est ça qu'il faut faire? Ne me bouscule pas. J'ai des menottes au poignet et on dirait que tu pètes toujours autant de trouilles. Tu pourrais bien m'allonger. Allez, vas-y. Soit tu le sauves, ou soit tu le tues. Mais à présent, il faudrait choisir. Attendre ici jusqu'à la nuit. Ma femme allait à l'église tous les dimanches. Elle se faisait toute belle. Elle rencontrait des tas de gens. Moi, j'étais trop souvent parti. J'aurais dû rester un peu plus près d'elle. C'est à cette heure-là qu'elle commençait à s'habiller. Tu m'as sauvé la vie, c'est un fait. Mais mes potes l'ignorent et ils sont en train de t'attendre là-bas. J'ai pas peur de ces types. C'est pas ça. C'est quelque chose de curieux. Tu ne trouves pas? La façon dont la peur te noue en dedans et te donne l'impression d'avoir froid. À chaque retour de la saison de chasse, j'ai un nœud dans l'estomac parce que je ne sais pas si je tiendrai le coup encore longtemps. Il n'y a pas de retraite pour les trappeurs en Alaska. Quand on est trop vieux pour être utile, on nous laisse sur la glace. Mais c'est pas ça qui me fait le plus peur. Ce que je redoute, c'est d'aller en prison. C'est ça qui me fait peur. Filé. Rien à faire. Monsieur Desmond, c'est pas pour dire, mais vous avez une sale tête. Vous voulez entrer? Lef, j'ai ramené Corbett avec moi. Ici? Oui. Mais où est Wilder? J'en sais rien. Si les hommes de Corbett l'apprennent... J'aimerais bien l'expédier dans l'hélicoptère qui va faire donc demain, Lef. Oh mince, ça va barder. Écoutez, Corbett a bousillé ma radio. Tout ce que je vous demande, c'est d'aller à Hall Road et de dire à Anne-Marie que je vais bien et qu'elle reste où elle est. Oui, d'accord, je m'habille, je vais y aller tout de suite. Merci, Neuf. Et ne dites surtout à personne que vous m'avez vu, d'accord? D'accord, monsieur Desmond, vous pouvez me faire confiance. Je me ferai un paquet de fric en livrant Corbett au flic. Mais peut-être plus si je le libère. Tu ne penses qu'au fric, seul métèque? C'est un dur à cuire, Corbett. On ferait bien de tirer le marron du feu avant qu'il s'entraîne à nous. Laisse tomber. J'ai joint ta nana. T'as pété la radio, tu te rappelles pas? En tout cas, elle est agréable à regarder.
Quand j'étais dans Yukon, j'ai rencontré un gars. Ses doigts avaient gelé. Alors il a coupé la chair tout autour et bien nettoyé les os. Et il est toujours en vie. Il travaille en ville actuellement. Je t'aimais mieux à moitié crevé. T'étais pas aussi bavard. Il vous a vu arriver avec Corbett. C'est bon, rentrez. On dirait que vous boitez. Vous devriez voir Dixie, elle est à l'infirmerie. Oui, peut-être bien que je devrais. Excusez-nous, il voulait juste discuter avec Corbett pour lui acheter ses pièges. Ouais. Bon, je vous laisse discuter. Je vous laisse pas les clés. On veut pas d'emmerdement, Ben. Ce gamin a gardé les clés, il est suffisamment énervé pour utiliser son revolver. Pour chaque pièce, je te donnerai un bon prix. Ils ne servent plus à rien maintenant. Tu peux les garder. C'est mon sac que je voudrais bien. Il est dans le bureau en bas à gauche. Oh, Kenai, t'es dingue, tu devrais pas. T'es dingue. Connerie. Attends. Tu vois, t'es content maintenant? Je te masse le dos. Quoi? Dixie, chérie. Et laissez-nous une minute. Je vous laisse. Elle a du talent. Arthur m'a dit où vous étiez. Quand êtes-vous arrivé? Cette nuit. Oui, j'aimerais que vous m'aidiez. Et dis donc, Bob. Tu crois que j'ai un problème? Quoi? Tu sais, dans le genre... Des problèmes d'amour propre, hein? Bob. D'une certaine manière, ta vie dépend du fusil que tu portes. Et ton amour propre te sert de blindage, en quelque sorte. Va te faire voir, Bob. Ah, vous pouvez me croire, Eric, je déteste m'immiscer dans ce genre d'affaires. En fait, la politique ici est la même chose que dans le monde civilisé. Il n'y a pas de mystère. La réponse est dans l'urne. Quant à ces pauvres cow-boys, ils sont tous nés un siècle trop tard. Mieux vaut les avoir de son côté. C'est le meilleur moyen de sauver sa peau. Vous savez, Eric, nous contrôlons la plus grande quantité de ressources naturelles qu'il soit possible à un homme d'imaginer. Vous m'aiderez ou non, Eric? Je suis votre ami, Eric. Nord-ouest. Ouais, j'ai vu. En retard, ça où je suis maintenant. Kenai? Ouais. Je voudrais te louer une cabane. Vous êtes pas bien chez M. Sam? Tu m'en loues une, oui ou non?
Vous êtes un petit malin. Vous avez compris que là-bas, vous seriez plus en sécurité et que vous verriez arriver l'hélicoptère. Mais surtout, quand ces trappeurs viendront chercher Corbett, ils iront d'abord chez Sam. Je risque d'avoir des ennuis. J'ai une centaine de dollars, ça peut t'intéresser? D'accord. Kenai, si tu me doubles... Pas de danger. Si vous respectez mon territoire. Pourquoi vous faites ça? Il est encore temps d'arrêter. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vous remercie. Bonne nuit. Bonne nuit. Eric! Oh, je suis contente! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Eric? J'ai appelé Fairbanks et ils ont dit que tu avais annulé ton vol. Non, c'est impossible, on s'est planté avec l'avion. Quoi? Écoute, Anne-Marie, faut pas que tu restes ici. Pourquoi? Attends, je t'expliquerai tout plus tard. Où est Corbett? Ici, un hélicoptère va le prendre et dès qu'il sera parti, ce sera fini. Dis-moi ce qui se passe. Rien du tout, à condition que les hommes de Corbett n'arrivent pas avant l'hélicoptère. Ça ne te regarde pas, c'est aux gens d'ici de régler cette affaire. Anne-Marie... Je reste. Bon, comme tu voudras. Conduis la voiture chez Wilder et attends-moi, je reviens. Mais... J'allais partir à l'instant chez votre ami, mais vous avez dû la voir. Oui, je viens de la voir. Neff, vous m'aviez dit que je pourrais compter sur vous en cas de besoin. Oui, je m'en souviens, monsieur Desmond, mais jamais j'aurais cru que cet homme aurait si mal. Qu'est-ce qui vous prend? Ces fils de pute ont descendu Sam. Vous croyez qu'ils vont s'arrêter là? Ils sont trois seulement. Bon, peut-être quatre tout au plus. Il faut vous calmer, Neff. Si quelqu'un voulait m'aider, on en viendrait facilement à bout. C'est facile à dire. Vous allez sûrement quitter le pays un jour. Moi, je reste vivre ici. Il n'y a personne qui se mouillera pour ces mecs-là. Ça vous est égal ce qu'ils ont fait à Sam et... Sam Wilder était mon cousin. C'est à cause de lui que je suis en Alaska. Et si je me fais descendre là où il est, Sam en a rien à foutre. Oh non, rien. Il faut qu'on se dépêche. Eric! Je te l'avais pourtant dit que personne t'aiderait. On déménage. Vous feriez bien de le protéger. Arrête! J'aimerais pas qu'on vous fasse du mal. Assieds-toi, Ben. Tiens, prends ça et garde le pointé sur lui. Quelque chose?
Le sac de Ben. Il est 6h15. Tue-moi, et tu signeras ton arrêt de mort. Et le sien aussi. Tu m'entends, Ben ? Attends, je vais leur causer, moi. Que ça qui retient Ben Corbett, écoute un peu ! Ils savent que je suis ici. Si tu ne me laisses pas leur parler, ils vont bousiller cette foutue ville. Est-ce que tu veux accepter cette responsabilité ? Ferme ! Vous entendez, putain de merde ! Sur le terre-plein du moulin. Il y a largement la place. Comment on va y arriver? Ils surveillent la route. On n'a qu'à traverser la mine et le moulin. Je connais le chemin. Qu'est-ce que tu fais? Eric, rejoins-moi à la mine à l'entrée dans 10 minutes. David Skuldron, répondez. Hélicoptère pour David Skuldron, répondez-moi. Ici hélicoptère pour David Skuldron, je compte me poser chez vous à l'heure prévue, à vous. Non, attendez, il ne faut pas atterrir sur la piste. Il y a un terrain bien dégagé vers le moulin, je répète, surtout, n'atterrissez pas sur la piste qui se trouve derrière la ville, à vous. Moi je veux bien, mais dans ce coin-là, il y a souvent des vents contraires, et ça peut être dangereux, à vous. Écoutez, ici il n'y a pas de vent du tout. Le ciel est dégagé. C'est du gâteau. À vous. D'accord. Tout à l'heure. Terminé. On va aller chercher Ben Corbett maintenant, ma jolie. Je sais pas de quoi vous parlez. Posez ça. Ou je vous tire. Vas-y, ma jolie, tire. Mais t'as pas intérêt à me rater, tu sais. Parce que si tu me rates, je te fais péter ta jolie cervelle. Il n'essaie jamais de pourboire. Ouais, ça suffit. Enlève-moi ça. Allez, avance. Putain de merde! Ils amènent Corbett en haut, tout près du moulin. Il y a un hélico qui va venir. Hé! Ne laissez pas! Emmenez! Surveille-le. Dépêche-toi! Qu'est-ce que tu fais? C'est par ici! Suivez-moi! Thank you.
Tu vas lui dire que je te descends s'il continue à nous poursuivre. Ah ! Le type qui est avec moi est légèrement nerveux. J'ai son magnum sous le nez. Est-ce que tu vas bien ? Ouais, ça va. On se verra bientôt. T'inquiète, je suis là. L'hélicoptère. Je viens d'atterrir à Davis Cauldron et on dirait qu'il n'y a personne. Est-ce que je peux rentrer? Vous restez ici, vous! Ouais, c'est une blague ou quoi? Eric! Ces messieurs m'ont demandé d'intervenir, ça va aller. Je vais m'occuper de lui. Mais avec une balle bien placée. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Ça ferait moins d'impôts à payer. On l'expédie par l'hélicoptère ou non? Oui, on l'expédie par l'hélicoptère. Eric, je vous suis vraiment reconnaissant d'avoir fait ça. Quand vous avez disparu, je me suis inquiété pour vous. J'ai téléphoné à Fairbanks pour demander qu'ils envoient rapidement des secours sur place. Ah oui? Anne-Marie a dit que quelqu'un a téléphoné pour annuler mon vol. Oh, j'ai seulement appelé la police. Non, c'était l'aéroport. Vous avez fait comme si vous étiez lui. La ferme, Neff. Vous ne vouliez pas que je parle de la fuite dans le pipeline, c'est ça? Espèce de salaud, vous préfériez me voir mort. Ah, voyons. Eric! Et foutons le tour d'ici. Non! Non! Eric, il faut qu'on se tire d'ici. Thank you.
l'hôpital dès qu'on arrive à Fairbanks. Ah, bravo. Tout ça pour qu'on me retape et qu'on me mette en cage. T'es long à la détente, toi. Posez-vous. Some shit.